أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، إخواني في الله، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous salue mes chers frères et mes chères sœurs en Allah Azza wa Jal, du salut de l'islam, et je vous souhaite ainsi qu'à moi-même la paix intérieure et la paix dans vos âmes et dans vos vies. J'adresse également cette modeste recommandation à l'égard de personnes qui seraient éventuellement interpellées par la question de l'islam et qui ne seraient pas de confession musulmane, à être bien évidemment attentif et à être invité à l'écoute de cette modeste intervention qui aujourd'hui sera traitée autour de la thématique de la maladie. Comment le croyant et la croyante musulman doit donc faire face à la maladie, et j'entends ici la maladie sous toutes ses formes, et en l'occurrence il convient de rappeler que un point qui est très important, c'est que la bonne santé que nous pouvons avoir, que tu as peut-être mon frère, ma sœur, sera de toute façon précédente et précédera dans tous les cas un état de maladie éventuelle, et que inch'Allah ta'ala, si tu es malade, quelle que soit ta maladie, qu'elle soit une maladie d'ordre médical ou une maladie invisible, Inch'Allah ta'ala, que cette épreuve qui est la maladie puisse être un moyen pour toi, mon frère, ma sœur, de te rapprocher de ton Seigneur, de te rapprocher de ton Créateur, Azza wa Jal, qui demeure le seul à accorder la faveur de la guérison, même si cela, bien évidemment, ne doit en aucun cas nous empêcher et t'empêcher, en tant que croyant et croyante, d'utiliser les causes de ta guérison, et donc d'utiliser les moyens que Dieu a mis à ta disposition pour pouvoir te soigner. En termes d'introduction, je voudrais rappeler que parmi les meilleurs bienfaits qu'Allah Azza wa Jal, que Dieu a donné sur ses serviteurs, après ceux de la foi, el-iman, et de la sécurité, el-amen, figure bien évidemment le bienfait de la santé physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans un hadith authentique, il nous dit: quiconque d'entre vous se réveille, l'esprit en sécurité, le corps en bonne santé, possédant ses provisions quotidiennes, c'est comme si toute la vie d'ici-bas lui avait été rassemblée. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut être conscient de cet avantage, de ce trésor qu'Allah Azza wa Jal nous a donné en ayant la bonne santé et la sécurité, ainsi que la foi en premier lieu, et il faut être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal, aussi bien avec son cœur, avec sa langue, et avec les autres moyens de son corps, et ceci en les utilisant dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Alors parmi la cause des maladies, ou la cause des épreuves d'une façon générale, mais de la maladie, nous allons en citer quatre. Parmi la première cause, peut-être que la maladie intervient à un moment de ta vie où le serviteur a fait preuve de manquement ou de laxisme vis-à-vis de certaines obligations religieuses. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle dans Surat An-Nisa, donc la Surat des femmes, dans la Surat 4 au verset numéro 123, Dieu nous dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira. Dieu nous dit, selon la traduction approximative: quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. C'est-à-dire qu'ici, Allah Azza wa Jal nous rappelle peut-être que parfois la maladie et l'épreuve peut être le résultat de manquements ou de désobéissance à l'égard de certaines obligations. Et un pieux prédécesseur a dit: je n'ai pas commis le moindre péché sans en constater les conséquences néfastes sur mon corps, ma famille ou sur mes biens. Donc parfois, il faut véritablement, je t'invite ainsi qu'à moi-même, je t'enjoins à pouvoir réfléchir
sur peut-être le fait que Dieu va créer une maladie dans ta situation qui va être la cause de ton réveil spirituel, puisque tu as peut-être été en manquement à l'égard de certaines obligations. Donc il ne suffit pas de culpabiliser, c'est tout simplement de réfléchir et d'en tirer les conclusions et les motivations, les résolutions nécessaires, bi'idhnillah ta'ala, en invoquant pour la guérison. La deuxième des causes des épreuves ou de la maladie, peut-être que le fait que la maladie va être un moyen pour toi d'expier tes péchés par rapport à un certain nombre de désobéissances que tu as commis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, nous rappelle, que rien n'atteint le croyant comme fatigue, comme maladie, comme angoisse, souci ou difficulté, fût-ce même une épine qui le pique, sans qu'Allah azawajal ne lui expie pour cela une partie de ses péchés. Donc rien n'atteint le croyant, comme une fatigue, une maladie, une angoisse, un souci ou quelque difficulté que ce soit, ne serait-ce que par une épine qui le piquerait, sans qu'Allah azawajal ne lui expie, c'est-à-dire ne lui efface pour cela une partie de ses péchés. Donc il se peut, mon frère, ma sœur, également comme deuxième cause, que ta maladie, ta tristesse, puisqu'il n'est pas seulement une maladie qui serait médicale, il y a parfois des maladies qui peuvent être des maladies psychiques, psychologiques, qui peuvent être des tristesses, qui peuvent être également la source de maladies invisibles, d'angoisse, etc. Eh bien, Allah Azzawajal, sois conscient et consciente qu'Allah Azzawajal, si tu patientes, va effacer une partie de tes péchés. Et cela sera pour toi, bi'idhnillah ta'ala, malgré la difficulté de ta situation, un bien. Troisième point, troisième cause de la maladie, il se peut que la maladie soit un moyen d'élever le croyant ou la croyante du rang du malade dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va t'élever, fit darajat, il va t'élever dans le rang de proximité à l'égard de Dieu dans l'autre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Hakim et qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'homme dispose parfois d'un rang auprès d'Allah auquel il ne peut pas parvenir par ses actes. Allah ne cesse de l'éprouver jusqu'à ce qu'il puisse lui faire parvenir à ce degré. Et pour reprendre la traduction exacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'homme dispose parfois d'un rang auprès d'Allah auquel il ne peut parvenir par ses actes, c'est-à-dire d'un rang de proximité. Allah azawajal ne cesse de l'éprouver par ce qu'il déteste jusqu'à y parvenir, c'est-à-dire par ce qu'il déteste, la maladie, la fièvre, etc. Enfin, bien évidemment, en quatrième point, il se peut parmi les causes de la maladie, en quatrième cause, il se peut que la maladie soit un moyen de repousser un autre mal. Et il se peut parfois finalement que Allah azawajal t'éprouve par une épreuve pour t'en repousser une pire. Allah azawajal nous dit dans le Coran: Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que celle-ci demeure un bien pour vous. Dans Surat al-Baqarah, la Surat 2, au verset numéro 216. Et donc, Allah Azzawajal nous rappelle ici, bien évidemment, qu'il est important de relativiser les choses. Et il se peut que derrière le mal que tu vis, il se peut que Dieu t'ait fait éviter un mal beaucoup plus grand et beaucoup plus gigantesque que celui qui se présentait à toi. Allah Azzawajal nous dit dans Surat al-Hadid, Dieu nous dit, Jalla fi'ula, dans la sourate le fer. Ba'd a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Dieu nous dit, nul malheur ne se produit sur terre, ni ne vous atteint, sans qu'il ne soit enregistré dans un livre, avant que nous l'ayons réalisé, et cela est certainement facile pour Allah. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, voici les quatre causes que nous avons résumées d'une façon rapide, néanmoins importante, sur les causes qui peuvent provoquer la maladie. Plusieurs réactions se manifestent lorsque nous sommes face à la maladie. Et c'est vrai que chacun d'entre nous parfois réagit d'une façon plus ou moins différente. Tout d'abord, malheureusement, certains s'exaspèrent contre la maladie. Par le cœur, comme le fait de s'irriter contre son Seigneur et d'être plus en colère, d'être pris de colère contre ce qu'Allah Azzawajal lui a destiné. Que Dieu nous en préserve. Parfois, certains invoquent par la langue et en disant des choses qui sont nauséabondes et réfutées par le dogme musulman, comme le fait d'invoquer le malheur
ou la destruction contre soi-même, etc. C'est-à-dire, ya Rabbi, je préfère mourir, ou qu'est-ce que c'est que cette moussiba qui m'est tombée sur la tête, c'est quoi cette maladie, etc. Toujours se plaindre par la langue. Et parfois, d'autres s'exaspèrent par le biais des membres, comme le fait de se frapper les joues, de se déchirer le vêtement, de s'arracher les cheveux, etc., face à la souffrance, malheureusement. Et donc, il convient, mon cher frère et ma chère sœur, de maîtriser ta langue, ton âme, bien évidemment, en premier lieu, ton cœur, ta langue et tes membres. La deuxième catégorie de personnes qui font face à la maladie, il y en a d'autres qui patientent et qui endurent. Et dans ce cas, la personne éprouvée ressent que le malheur qui l'atteint est difficile, mais elle s'efforce de le supporter. Et sa foi ne lui permet pas d'être en colère. A'adhanillahi wa iyyakum, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. La foi qu'il a ou qu'elle a cumulée ne lui permet pas d'être en colère, et donc il accepte cette épreuve que Dieu lui a donnée à travers le malheur qu'il l'a atteint. Et Dieu nous dit « Waspiru inna Allaha ma'as sabirin » et patientez car Dieu demeure avec les patients. C'est-à-dire que tant que tu es dans une dynamique de patience animée par la foi, Allah Azza wa Jal, Dieu va rester à tes côtés. Une troisième catégorie de personnes sont encore au-dessus de cette catégorie de croyants et de croyantes. Ce sont ceux qui sont satisfaits du malheur lorsque celui-ci se présente à eux. Et ces croyants et ces croyantes s'accommodent aussi bien de l'absence que de la présence d'une maladie et sont conscients que la maladie est pour eux une expiation de leur péché. C'est-à-dire husnul dhann billah, c'est-à-dire le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Husnul dhann billah. Et en ce sens, il est important d'avoir toujours une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et que lorsque tu es atteint d'une maladie, Allah Azza wa Jal a voulu pour toi un bien quel qu'il soit. Et donc ne jamais avoir des paroles ou une pensée qui puisse être contraire à l'éthique musulmane. Et je rappelle ici bien évidemment, ce qui est très important, c'est la force et l'importance, et ce sera le point sur lequel je vais aussi particulièrement insister, c'est la force et l'importance de la dua, de l'invocation, qu'il faut bien évidemment renouveler sans cesse. Un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est venu se plaindre d'une douleur qu'il ressentait depuis qu'il s'était converti à l'islam. Depuis, subhanallah, qu'il s'était présenté à l'islam, cet homme avait une douleur dans une partie de son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Pose ta main sur la partie de ton corps qui te fait mal et dis trois fois « Bismillah ». Donc mon frère, ma sœur, mets la main sur la partie de ton corps qui te fait mal et dis trois fois « Bismillah ». Puis prononce sept fois la phrase suivante. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratih min sharri ma ajid wa uhadhir. Je répète. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir. Traduction de l'invocation. Je recherche refuge par la puissance et la force d'Allah contre le mal de ce que je ressens et de ce que je crains. Ce que je voudrais dire là, par là, bien évidemment, c'est toujours invoquer Allah Azza wa Jal. Faire des doigts, faire de dhikr. Invoquer la guérison auprès d'Allah Azza wa Jal, mon cher frère et ma chère sœur, ne doit surtout pas t'empêcher de suivre le traitement qui t'a été prescrit. Puisque Dieu a créé des causes pour pouvoir conduire à la guérison. Et donc, en ce sens, il ne conviendrait pas à une personne de négliger son traitement médical, quel qu'il soit, en se disant bien évidemment que tout cela n'a pas d'importance. Non, on pratique la spiritualité puisque la guérison est dans les mains d'Allah Azza wa Jal seul, mais bien évidemment Dieu t'a obligé d'utiliser et de te soigner par les causes pour lesquelles Dieu t'a demandé de te soumettre, c'est-à-dire des médicaments éventuellement, la marche, par le sport, etc., etc. Donc il faut utiliser bien évidemment les causes. Et je voudrais rappeler également, mes chers frères et mes chères sœurs, que quel que soit le mal dont nous sommes atteints, par le biais de la maladie, il faut nous rappeler que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ressentait la douleur de deux hommes d'entre nous. Lorsqu'il avait de la fièvre, par exemple, à la fin de sa vie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait la fièvre de deux hommes. Lorsqu'il avait une douleur, quelle qu'elle soit, lorsqu'il était malade, il avait la fièvre et la douleur de deux hommes d'entre nous. Et bien évidemment, lorsqu'on l'a interrogé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que c'était pour avoir la récompense de deux personnes. Il a été question lors d'une séance, d'une interrogation qui a été adressée à Sheikh ibn Baz rahimahullah,
d'un homme qui s'est présenté à lui et qui lui a dit, voilà, j'ai été voir des, entre guillemets, des guérisseurs et la personne me demande mon nom et celui de ma mère, etc. Et donc vous connaissez ces méthodes malheureusement qui ne sont pas conformes à l'islam et qui se rapprochent des méthodes proches de la sorcellerie, où la personne vous demande le nom du malade, ainsi que le nom de sa mère, etc., et utilise des méthodes qui ne sont pas propices ni conformes à l'islam. Le shir a répondu, il n'est pas permis de se soigner de la sorte, ni de se rendre chez ces personnes, ou de les interroger en raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quiconque se rend chez un devin et l'interroge au sujet de quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Donc, ya Akhil Karim, mon frère, ma sœur, c'est bien évidemment, le premier conseil, c'est de ne pas s'adresser à des personnes malfaisantes, en l'occurrence les sorciers, les pseudo-devins, etc., car, comme nous l'a rappelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, et la personne, dans un autre hadith, s'est coupée de la révélation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous en éloigne. Bien évidemment, ce qui est important d'appliquer, c'est les conseils, un certain nombre de conseils des savants, et parmi celui-là, le fait de nous rappeler que lorsque même tu es malade, après la maladie, rappelle-toi ta souffrance avant de commettre un péché. C'est-à-dire que parfois on est malade d'une façon temporaire, Dieu merci, puis ensuite on retrouve la santé, et un conseil que nous donne et nous attribue un certain nombre de savants, c'est de nous rappeler la souffrance lors de la fièvre avant de commettre un péché. Comme ça, on ne demeure pas dans une dynamique d'ingratitude. Lorsque je me rappelle que j'ai eu la fièvre, que j'ai été malade et qu'Allah Azza wa Jal m'a accordé la guérison, eh bien, avant d'accomplir un péché, je me rappelle cela pour que cela puisse me permettre d'être un rempart face à l'accomplissement d'un éventuel péché. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de nous rappeler comment la miséricorde d'Allah est immense. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le cas du croyant est réjouissant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et ceci n'est valable que pour le croyant. Si un bien l'atteint, il est reconnaissant et c'est alors un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente et c'est également un bien pour lui. Et ça, subhanallah, il le précise dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bien surtout et uniquement pour le croyant, parce que le croyant est dans une dynamique de reconnaissance, le croyant est dans une dynamique de gratitude à l'égard de son Seigneur, Azza wa Jal, qu'il soit dans une situation heureuse ou dans une situation de difficulté. Ainsi, nous devons rappeler également un hadith qui est relatif à la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal, et qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Allah, Azza wa Jal, possède 100 miséricordes. Il a fait descendre l'une d'entre elles pour les djinns, les hommes, les bêtes et les insectes. C'est par celles-ci qu'ils se font miséricorde et éprouvent de l'affection les uns pour les autres. Et c'est par celles-ci que la bête sauvage est douce envers sa progéniture. Et il a réservé 90 autres miséricordes pour ses serviteurs le jour de la résurrection. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse profiter de ces 99 miséricordes le jour où nous en aurons besoin. Subhanallah, quand vous regardez même l'animal le plus féroce, l'amour qu'il éprouve pour son petit, eh bien c'est une, elle correspond à ce hadith, à une des miséricordes qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, fit donia, pour le djinn, wal ins, wal hayawanat, et pour l'an'am, pour les bêtes, et pour les bestiaux et les insectes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle également, subhanallah, un hadith extraordinaire dans lequel il nous rappelle « Quiconque est atteint d'angoisse, de tristesse, de maladie ou de difficulté, puis dit « Allahu Rabbi, la sharika lah »« Allah est mon Seigneur, il n'a pas d'associé. » Je répète le hadith « Quiconque est atteint d'angoisse, de tristesse, de maladie ou de difficulté, puis dit « Allahu Rabbi, la sharika lah »« Allah est mon Seigneur, il n'a point d'associé. » Cela lui sera enlevé. Cela lui sera enlevé, c'est-à-dire le mal. Subhanallah. Allahu Rabbi, la sharika lah. Ya Akhil Karim, Ukhtil Karim, mon cher frère, ma chère sœur, pendant ta maladie, sois patient et sois patiente. Réfléchis sur le sens de ta vie. Réfléchis sur le message qu'Allah Azza wa Jal t'envoie. Réfléchis sur le sens et la profondeur de ton épreuve. Ce qui est assez significatif dans le cas de la maladie,
c'est que personne d'autre, même parmi tes êtres les plus aimés, ne peut ressentir la douleur ou la fièvre ou la difficulté que tu ressens dans ton corps ou dans ton être. Et ceci est une façon de te rappeler et de nous rappeler à nous tous d'une façon individuelle que nous serons seuls dans notre tombe et que nous serons seuls et individuellement présentés à Allah Azzawajal pour rendre nos comptes. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite, mon frère, ma sœur, à faire de dhikr, à invoquer ton Seigneur pour plusieurs raisons, et voici quelques faveurs de dhikr lors de la maladie. Le fait de mentionner Allah Azzawajal. Tout d'abord parce que le dhikr, le fait de rappeler Allah, te rappeler Allah va chasser Satan et va l'anéantir. Le deuxième point, le fait d'être parmi ceux qui invoquent Allah va satisfaire le tout miséricordieux. Troisième point, le fait d'invoquer Allah va dissiper ton angoisse et la tristesse dans ton cœur. Quatrième point, le fait d'invoquer Allah va susciter la joie, le bonheur et la relaxation dans ton cœur. Cinquième point, le fait d'invoquer Allah va fortifier ton cœur et ton corps. Sixième point, le fait d'invoquer Allah va illuminer ton visage et va illuminer ton cœur. Septième point, le fait d'invoquer Allah va te permettre d'obtenir la subsistance, rizq. Septième point, le fait d'invoquer Allah, huitième point, pardon, va te permettre de te rapprocher d'Allah Azzawajal. Neuvième point, le fait d'invoquer Allah Azzawajal va te permettre de craindre ton Seigneur. Dixième point, le fait d'invoquer Allah va te permettre de nourrir ton cœur et ton âme. Onzième point, le fait d'invoquer Allah Azzawajal va te permettre d'effacer une partie de tes péchés et d'obtenir le pardon de ton Seigneur. Jalla fi'ula. Bien évidemment, il est important de se rappeler que l'état de la maladie doit être quelque chose qui est une parenthèse peut-être, ou quelque chose qui sera la fin de ta vie peut-être. Nous ne savons pas aujourd'hui vers quoi nous cheminons et vers quelle épreuve nous allons être destinés. Ce qui est important, c'est que la maladie ne doit pas être pour toi un moyen ou un prétexte à délaisser tes obligations religieuses, à délaisser les ablutions classiques, par exemple. Si tu as la possibilité de faire tes ablutions avec de l'eau, fais-les. On voit de plus en plus de personnes, malheureusement, qui, pour des raisons futiles, font les ablutions sèches, c'est-à-dire tayammum, et parfois pour des raisons qui ne sont pas légitimes. Et en ce sens, il est important, mon frère, ma sœur, de patienter face à l'épreuve de la fièvre et à l'épreuve de la maladie. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cette chose. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'aucun d'entre vous n'espère la mort. Soit il est bienfaisant et il se peut que cela augmente, ou soit il est malfaisant et il se peut alors qu'il puisse demander pardon. Et donc, soit tu es face à Allah Azzawajal, tu es bienfaisant et cela va augmenter, puisque tu vas être dans le rappel d'Allah Azzawajal, donc tu ne peux pas demander la mort. Ou soit tu es malfaisant et il se peut alors que Allah Azzawajal ait créé cette épreuve pour que tu puisses demander pardon. Enfin, je voudrais rappeler trois petites recommandations pour patienter face à la maladie. Le premier point, c'est que tu dois te rappeler, mon frère, ma sœur, que ta maladie était écrite avant même qu'Allah ne t'ait créé. Allah Azzawajal a écrit ta maladie et ton épreuve avant même qu'Allah Azzawajal t'ait créé. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois te remémorer la situation de certains qui sont encore plus malades que toi. Je te rappelle que tu dois te remémorer la situation de certains qui sont plus malades que toi. Et en ce sens-là, quand tu es atteint par une épreuve, essaie toujours de te dire et de te rappeler que certains sont plus atteints dans leur chair que tu peux l'être toi-même. Et troisième point, tu dois garder à l'esprit l'espoir de la récompense divine, l'espoir à ce que cette maladie puisse être pour toi une source de récompense, d'invocation et de rapprochement à l'égard d'Allah Azzawajal. J'invoque mon Seigneur à ce qu'il puisse guérir tous ceux et toutes celles qui sont malades. Parmi nos frères et sœurs qui nous écoutent, puisse Allah Azzawajal vous guérir et nous guérir tous ensemble. Allahumma inna nas'aluka al-shifa min kulli da. Nous te demandons la guérison de tout mal.
أنت رب العرش العظيم نسأل الله عز وجل الشفاء أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيكم جميعا جافك الله عز وجل qu'il puisse vous guérir nous tous vous tous لا شفاء إلا شفاءك il n'y a point de guérison si ce n'est la tienne شفاء لا يغادر السقم اللهم قوي إيماننا وارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء من كل داء اللهم ارزقنا الشفاء من كل داء اللهم قوي إيماننا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا وأنزل علينا على قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور حتى نكون مطمئنين واجعلنا يوم القيامة من الشهيدين mes chers frères et mes chers sœurs j'invoque Allah عز وجل qu'il puisse nous pardonner nos péchés et nous inscrire parmi les repentants et puisse inscrire l'épreuve ou la maladie que nous vivons comme étant un moyen de nous rapprocher vers toi, Ya Aziz ou Ya Ghaffar. Je voudrais également vous remercier de votre fidélité. Nous ne sommes pas des savants, je ne suis bien évidemment qu'un très modeste rappeleur, et c'est en ce sens-là que je voulais faire ce modeste rappel sur le sens de l'épreuve et sur le sens de la maladie. Je rappelle bien évidemment qu'il y a certainement des gens malades autour de vous. Visitez-les, il y a une grande récompense et vous le savez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui rend visite à un malade le matin sera et bénéficiera de l'invocation de 70 000 ans jusqu'au soir. Et lorsqu'il rend visite à un malade le soir, il bénéficiera de l'invocation de 70 000 ans jusqu'au matin. Puisse Allah azawajal vous récompenser de votre écoute, nous pardonner nos péchés et nous guérir de tout mot. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' al-mu'minin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته